Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fer, j'espère que vous allez bien les amis. Nous allons tester la petite démo de Grow the Seeds. Donc, littéralement faire grandir votre graine. Donc non, ce n'est pas à connotation sexuelle du tout. Je vais un peu baisser le son parce que malheureusement, la démo n'est pas équipée pour baisser le son. Et je l'ai mis à 12% pour vous dire à quel point ça me blaste la gueule. Je l'ai descendu déjà à 30% avant. Mais dans les settings, il n'y a pas moyen d'enlever... C'est quoi BGM hein? Qu'est-ce que c'est que BGM? Putain, c'est le son, je suis trop débile. Bon, tant pis, c'est pas grave, on restera comme ça, on va juste baisser. Parfait. Eh bien si, il y a le son, donc je suis un gros débile, ne m'écoutez pas. Bon, on va se tester cette petite... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Pomme zone. Alors, il faut savoir que Grow the Seeds, en fait, c'est un roguelike où nous allons jouer, en fait, une graine. Et le but, bah, ça va être de faire un arbre. Donc, par exemple, là, on va jouer en fait une graine de pommier, graine de pomme. Et c'est un jeu de cartes. Donc, c'est un peu, c'est vendu comme un Slay the Spire dans un jeu, dans un style d'arbre. C'est vendu comme ça par les développeurs. On se teste ça tout de suite. Donc, carte max 5 miracles. On commence avec 10 cartes de départ. C'est du tour par tour, les amis. Et zone pleine, j'ai strictement aucune idée. Unlock, coming soon. Ah, il y a orange aussi. Donc ce sera des styles de jeu différents. Alors, il y a un système de... Ok, donc en fait, les chemins, ce sont des semaines. Hein. Le rouge, ça a l'air d'être des ennemis, du coup, je vais plutôt prendre le soleil, j'ai strictement aucune idée. ça influence. Alors, la démo est en anglais, alors je vais tenter de vous traduire. Salut, comment ça va? Merci pour avoir lancé la démo de Grow the Seeds. Est-ce que vous aimeriez commencer par le tuto? Oui. Commençons. Alors, pour jouer, le but est simple. Faire pousser votre graine jusqu'à un arbre adulte et survivre. Comment jouer? Alors ça c'est le nombre de nourriture journalière, le total de nourriture, le coût de nourriture, d'accord. Alors la vie de votre plante est déterminée par sa nourriture. Si elle tombe à zéro, c'est fini. D'accord. Faites attention aux nourritures, au coût de nourriture. D'accord, et assurez-vous d'avoir assez de nourriture pour avancer jusqu'au prochain jour, pardon. Les lumières du soleil et l'eau sont utilisées pour la photosynthèse pour gagner de la nourriture. Hein. Les essences déterminent combien d'organes vous pouvez développer, pousser. Vous gagnez de l'expérience pour chaque carte que vous jouez. Vous avez une récompense pour chaque level up. D'accord, j'ai pas tout compris. Hein. Alors, dans Grow the Seeds, chaque action que vous... Attends. Chaque action est faite par l'utilisation de cartes. Ok, coup en... Alors, les miracles, apparemment, c'est la mana, globalement. Ok, donc, 1, en gros. Type de carte, feuille, ouais, je sais pas. Coup en ressources de la carte. Ah, il y a un coup en miracle et un coup de ressources. Une description de la carte, fait pousser une racine en forme de Y. D'accord, plus 1. Miracles sont utilisés pour jouer des cartes. Les miracles, d'accord, reviennent journalièrement. En avançant au prochain jour, cela calculera les ressources supplémentaires et également les coûts pour le prochain jour. Faites attention aux événements aléatoires de chaque jour. Certains peuvent être utiles pour votre plante, d'autres... peut-être blessant pour cette dernière. Les événements aléatoires ont des effets variables. Vous pouvez voir les effets actifs des statuts ici. Alors, les statuts des effets ne sont pas que par des événements aléatoires. Vous pouvez aussi pour les avoir par des cartes. Également. Très bien. Faire pousser des racines et des branches. Faites pousser des racines pour obtenir des ressources
depuis le sous-sol. Ah, c'est cool, il y a deux plans. Faites pousser des branches pour vous créer un espace pour des feuilles et des fleurs pour qu'elles fleurissent. C'est très bien. Faire pousser des branches augmente votre essence. Ah! Alors, vous pouvez faire pousser plusieurs feuilles sur une même branche. D'accord, ah oui, on peut vraiment spammer, j'ai rien à foutre du 3. Ok, améliorer des fleurs pour les transformer en fruits. Utilisez simplement la carte faire pousser fleurs sur une fleur qui est déjà existante. Ok, donc ça s'améliore, c'est comme ça qu'on fait des fruits. Ouais, aucune idée de pourquoi faire des fruits. Alors, les fruits pousseront sur la durée jusqu'à ce qu'ils pourrissent. Les fruits pourris se convertiront en tuiles de nourriture dans le sol. Genre ça tombe et ça fait un truc au sous-sol, c'est ça? Putain, elle est longue la petite démo de démonstration là. Ok, là ça devient violet. C'est très long hein, les fruits à développer. Ok, il monte pas le violet qui tombe, c'est dommage. Alors, pour récolter des fruits, vous obtiendrez une monnaie de fruits que vous pouvez utiliser pour acheter des choses qui vous serviront, qui vous aideront pour survivre plus longtemps. Ramassez les fruits avant qu'ils pourrissent. Ah d'accord, donc c'est une contrepartie le fait qu'ils pourrissent et qu'ils donnent une caisse de nourriture. Alors, invasion de peste. Donc, invasion nuisible. Faites attention nuisible à la fin de chaque semaine. Déployez vos unités de défense stratégiquement pour combattre les nuisibles. Ok, alors tuer tous les nuisibles nous donneront des récompenses. Alors que échouer à les repousser, ça aura de graves conséquences. Putain, il est balèze le tuto, il te balance tout d'un coup. Ce sont les quêtes que vous pouvez compléter pendant que vous grandissez. Complétez-les pour obtenir des miracles supplémentaires pour pouvoir grandir. Ok. Vous pouvez cliquer sur chacune des stats pour avoir des détails. Pas toutes les cartes ne peuvent être annulées après sélectionnées. Une fois sélectionnées, c'est joué immédiatement. Ok, gros tuto quand même. Hein. J'ai tout lu, mais j'ai pas tout le temps de comprendre comment ça se met. Ok, drop pile. Ça, c'est notre pile de pioche. Absorption de soleil. Gagner plus 1 de soleil pour chaque feuille développée. D'accord. Faites apparaître un scarabée qui attaquera les nuisibles. D'accord. D'être placé sur un stem, une route. Ok, donc stem, c'est le dessus. Donc c'est genre une petite branche en fait. Et route, c'est les racines. Ok, pas de soucis. Attends, résume. Merde, c'est back. Échappe, ça fait le menu tout de suite. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va piocher? Faire une feuille. Là, on a trois essences. Photosynthèse. Convertissez chaque soleil et eau pour gagner un de nourriture. Une quête de nourriture. Est-ce que ça consomme de l'eau le reste? D'accord. Et le soleil? ZQSD ça marche pas, j'ai eu le réflexe. Ok, donc faut faire avec ça. Ok, ça c'était pas dit dans le tuto, et ça va. Ça c'est instinctif. Bah, feuille on peut pas. Faire pousser une fleur, d'accord. Racine Y. Non, t'es sérieux, j'ai rien eu pour faire pousser au-dessus. C'est quoi ces cases-là, là?
Ok. Ah, donc ça, c'est de l'eau. D'accord. Ok, alors, il faut savoir que je voulais annuler l'action et que ça l'a validé. Donc, clic droit, apparemment, c'est pas cool. Et les feuilles, forcément, faut les mettre au-dessus. Bon, bah, on va faire photosynthèse. Choper de la bouffe. Parce que je peux pas... Eh ouais, pas de stem. Ouais. Première journée est très bof, hein. C'est quoi ça? Fruit. Ah oui, c'est le monnaie. Ah, quand c'est récolté, c'est récolté. C'est pas genre... D'accord. Ok. Ah, apparemment, ce sera ensoleillé le troisième jour. Il y aura de la pluie le quatrième. Ça, c'est l'invasion. Ah! Plus 3 essences, plus 3 essences. On va faire un truc gros au début quand même. Racine droite. Ah, molette, ça marche aussi. Ah, c'est bien. C'est bien la molette. Ascension du soleil. J'ai pas de... Je n'ai point de... Je n'ai point de feuilles. Tiens, ça, ça n'a pas disparu instantanément. Par contre, ça m'a donné une nourriture. Ok, donc ça, c'est de la bouffe. Alors, vu que c'est ensoleillé, plus 50% de soleil de toutes les sources. On va faire une feuille. Hein. Je vais faire une absorption de soleil, étant donné que c'est... Je sais pas, après les racines... C'est quoi ça? Il y a des plaques de béton? Ah, c'est... Oh, c'est pour te forcer à aller à un endroit et te faire le tour. D'accord. On va faire absorption de soleil. Vu que c'est ensoleillé. Plus 50% d'eau de toutes les sources quand il pleut. D'accord, très bien. Scarabée, ça coûte 2 miracles. Faire pousser une fleur. Level up, choisissez votre récompense. Alors, apparition... De guêpes. Faites apparaître une guêpe qui attaqueront les nuisibles, peut-être placées sur les fleurs. Ah ouh, ça coûte cher. Mais vu qu'on en a pas... Ah ouais, pour débloquer... Ah, on peut aussi pour reroll avec les fruits. Ok, et donc c'est comme ça. En fait, c'est du deck building, d'accord. Très bien, très bien, très bien. Je vois, je vois. Bah en vrai, niveau essence, je suis plutôt bien. Je suis plutôt fait une fleur. Il a trop une sale gueule, mon arbre. Enfin, ma graine. Donc, dans 3 jours, on se fait attaquer, normalement. Ah ouais, les ressources s'épuisent au bout d'un moment. C'est quoi les cailloux? Absorption de soleil. Très
chill comme jeu. Au niveau bouche, je pense qu'on est bon. Le problème, c'est que les petites flaques comme ça, là, en fait, ça... Ça rapporte que... Que 1 en instantané. Oh putain, par contre, il y a une sacrée quantité de ressources. Va falloir que je fasse des défenseurs. Soleil, je suis pas de photosynthèse. Bon, écoute, on va faire une racine grecque. Et je vais faire un scarabée. Je vais le mettre en boue, ça se trouve, c'est une erreur. Ah, la nuisible arrive, hein. Ok, ok. Ah oui, effectivement, c'est un mini tower defense en fait quand ils attaquent. C'est des vers. Ah, les scarabées ils tapent de loin. Ils attendent pas qu'ils soient au corps à corps. Ok, les nuisibles le repoussent. Très bien, très bien, très bien. Jour chaud. Changer le... la météo en sec chaud. Je sais pas ce que ça fait, c'est dommage, il devrait dire. Absorption de soleil. Soleil d'urgence, plus 8. Ah, ça coûte 2. Non, je vais reprendre une absorption de soleil. Parce que je commence à avoir pas mal de feuilles, je pense qu'il y a moyen de rigoler. Ah mais c'était pas la fin de semaine, donc il peut encore avoir des une attaque, d'accord. Okay, cool. Ça fait quoi, Adrien? Ah, ça enlève de l'eau. Mais quel est l'intérêt de changer la météo en sec et chaud alors? Pour nous, en tant que plante, je veux dire, c'est un malus. Point d'interrogation. Qui se fait quoi les points d'interrogation? Ah, on sait pas ce que c'est en fait. Nuageux, ensoleillé, ensoleillé, la pluie. Ok. Faire un fruit. Ah, maximum de 3 feuilles. Hein. Merde, j'aurais dû faire photosynthèse. Je suis trop con. Ouh, je suis à moins 4 de bouffe. Ok. Ouais, ça pue là, effectivement. On va faire une racine en ligne droite. Level up! Ah bah, free, oui. Étant donné que je viens de débloquer la possibilité d'en prendre. Et, petit grec. Pour pouvoir choper de la bouffe. Parce que là, je vais gagner plus 8. Ah ouais, ça prend tout le bloc, ouais, effectivement. Ok, absorption de soleil. Comme ça, je pourrais faire de la bouffe. Donc, on consomme 6. C'est énorme. Absorption de soleil. Récolte. Plus un fruit.
Ça part vite, hein. Faut pas croire. J'ai mis longtemps à y aller à celle-là, mais là, je suis en train de voir le bonus. Lif, 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 route, route. Les cailloux. Je pense pas que ce soit béni. Soit bien pour notre plante. Aucune putain d'idée. Ah, vous n'avez pas assez d'essence. Merde! Ah, là, je suis obligé de passer mon tour. Là, ça pue. Ça, en fait, la photosynthèse, il n'y a pas besoin de la voir beaucoup. Par contre, le soleil, ça faut speeder du coup. Ah merde, il n'y a plus de bouffe. Et 50%. Ah, mais on est cloudy. Ah, mais oui, mais putain, c'est pas la dernière barre, c'est celle qui n'est pas révélée. D'accord, ok, j'ai mal compris. C'est pas grave, ça c'est ma faute. Faire pousser une... ligne. Une brindille, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Colle de fruits. J'espère que ça va servir. Là, ça m'a coûté bien cher de faire ça. Ah, les cailloux, c'est un malus. Améliorer ma défense. Ah, il y a des piafs. Mon Dieu, il te bouffe les racines. Non, il y avait d'autres corbeaux, mais ils en ont montré qu'un. Oh là là, oh là là. Ah, les salauds. Absorption supplémentaire, ça a l'air pas mal ça. Oh, attends, unlock. Plus une pioche, on va prendre ça. Ah, les deux sont bien. Plus de cartes pour faire pousser fleurs fruits que récolter fruits.
50% d'eau de toutes les sources, super. Et 50% de soleil, putain, c'est joli. Très simpliste et très joli. Voilà, 13 de soleil, ça c'est cool. Alors, plus 50% d'eau là du coup, c'est ça. Bon. Fleur, absorption soleil. J'ai envie de refaire un scarabée. Je devrais faire une guêpe. Ah non, je vais tomber à court de ouf. Non, c'est bon. Pouf. Bon, bah du coup, pas de guêpe. C'est la bataille. Hein. Bon, et on va s'occuper des piafs. De toute façon, on n'a pas de... On n'a pas de guêpes. Oh, mon dieu, tout ce qu'il y a comme piaf. Ah, j'aurais dû faire des guêpes. Mais il se TP à moitié. Les corbeaux hack. Non, il... Oh, il pille un mini-boss. J'ose même pas regarder ce qu'il y a au sous-sol parce que je vais déprimer sinon. Oh, ils m'ont dévoré une brindille déjà. Non, pas le fruit. Mais ils se TP! Ah, mais c'était que au-dessus! Oh, les salauds. Pioche de cas. Faire apparaître. Attends, un caterpillar, c'est. C'est une chenille? Peut-être placé sur une feuille. Hein, j'ai pas les fruits, hein, oui, on est d'accord. Ok. Bon, on essaie de survivre. J'ai un fruit qui a pourri, fait chier. J'ai pas pu le ramasser. Les triple guêpes, là, je le sens pas trop. Des fleurs, photosynthèse, on n'a pas de soleil. Génial. Non. Attends, j'ai plus que deux essences, donc je vais refaire une branche. D'avoir du soleil, s'il vous plaît.
Oh mon dieu, ça m'a blasté les oreilles le fait de réussir la quête. C'est vrai qu'il y avait ça, faire pousser 10 fleurs. 20 racines. Ah ouais. Ah, absorption du soleil. Je suis obligé de le faire, sinon je risque de crever la dalle dans quelques jours. Parce que j'ai 4 miracles maintenant. Oh, merde, j'aurais dû me concentrer à faire d'autres choses. Enfin, à faire des choses spécifiques. 10 fleurs, 15. Synthèse, absorption. J'ai pas assez de fruits. Photosynthèse, en fait, on a besoin que d'un. Bon, bah, on va prendre le stem. Hein. J'aurais bien voulu prendre le. Quelque chose pour augmenter, genre, l'absorption de soleil. Merde, j'ai mis. C'était une feuille que j'ai mis tout en haut. Quel imbécile. C'est qu'elle chauffe. Ah non, c'est après le c'est qu'elle chauffe. Ouf. Pas de route, bien évidemment. Je vais faire une guêpe. Buzz, buzz, buzz. Soleil. Alors, c'est qui est chaud, moi 50% d'eau, pas de soucis. Tiens, bah, du coup, je vais le mettre. Il n'y a pas assez d'essence. Merde! J'ai rien pour faire pousser les essences. Génial! Je vais convertir maintenant. Ouais! C'est pas mal le petit carré là, que je me suis fait, hein. C'est la défense. Start battle. Routine break. Street. Chier, j'ai pas eu de scarabée quoi. Va falloir que je défende à fond les racines ici. Hein. Il n'y a pas assez d'essence. Oh merde. Il a raison. On a gagné un de plus et on peut prendre un peu de soleil même si on a moins 5 parce que c'est qui est chaud mais pourtant c'est bizarre. Ah ouais mais c'est peut-être la, le dernier jour. Ok. Bon, je vais essayer de défendre le bas. Ah mon dieu, il y a un boss, il y a un boss vert. J'ai vu un gros truc au-dessus aussi. Ah mon dieu. C'est pas des boss verts, ce sont des élites boss. Enfin, des élites verts. Oh mon dieu, ça m'a niqué la racine. La racine qui faisait plein de ressources. Et j'ai complété un objectif aussi. Oh là, il n'y a que des piaf élites. Bon, la guêpe m'aide un peu. Parce que j'ai enfin un défenseur. On a encore ? Oh putain ! Ouais, adieu mes racines. Oh non ! Oh là là, je prenais tellement de ressources par ces cases-là. Oh, et puis on n'a pas assez. Double absorption, plus une carte. Ouais. Enfin, plus deux cartes ! Ah, donc un c'était gratuit, mais deux, d'accord. Aïe 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 aïe.
Non, il y a le magus de soleil, évidemment. Je chope mon sun, mon absorption de soleil, quoi. Évidemment. J'aime beaucoup la gueule de ma brindille. C'est dégueulasse, j'adore ça. Bon, bah, je vais absorber le soleil, même si ça me rapporte beaucoup moins. Pfff, 5. Ah, la loose! Ah, puis c'est nuageux deux fois de suite en plus! En vrai, j'ai plus besoin de bouffe que d'eau. Je me suis plutôt bien démerdé. Et j'ai plus assez d'essence pour... La chenille, bien évidemment. Je vais reroll. Je trouve pas ça intéressant. Ensoleillé, pluie, double absorption. On va mettre ensoleillé. Je vais refaire une guêpe. Tout en haut. Mais pas assez descendre. Ah merde! Donc celle qui, les deux qui sont côte à côte au milieu, voilà, je sais que c'est elle que je dois transformer. Pas, plus assez d'essence. Chier. Pas assez d'essence, plus assez d'essence. Plus assez d'essence. On est d'accord qu'il avait pas fini de pousser là ce fruit. Si ? Ok, cool. Essence, je suis à 0. Ah oui, une vraie racine. À choper. Bon, en vrai. Ah putain, je suis à 129. En vrai, l'eau, j'avais pas besoin. J'ai abusé là. La gueule du truc. Bon, je l'ai fait, mais voilà. Bon, c'est le moment où on se fait péter le cul, c'est ça? Cela, il y a un boss apparemment. Ok, la chef, c'est un boss. Ah, en vrai, ça va. Double gap. D'accord, c'était pas une chèvre. Ce sont les chèvres, le combat. Il devrait mettre une fonction pour, si tu maintiens un clic, ça fait automatiquement le... Il n'y a que des chèvres. Ça fait automatiquement le poison. C'est pas très éthique de balancer de l'insecticide sur des chèvres. Elles font vraiment des gros dégâts, les gars. Ok, ça va. La pioche. En vrai, la pioche. En vrai, la pioche de ouf. C'était pas facile, mais c'est bon quoi, on a réussi.
non, c'est la fin de la démo. Ah non, j'avais réussi à faire à peu près un truc drôle sur l'arbre. Ça faisait une jolie brindille, et puis pareil, le système de racines, j'aime beaucoup le principe. Faudrait juste que, quand on clique sur une case de ressources qui est dans le sous-sol, que ça nous mette exactement qu'est-ce que ça fait, parce qu'il a fallu que je me rende compte moi-même que celle qui n'était pas avec du sol, là, ça disparaissait très très vite. Ou inversement, parce que tout était relié. Donc peut-être que ça pompe 1 jusqu'à ce que tous disparaissent, et vu que les premières cases, tu prends 1, ça disparaît. Allez, les cases de bouffe, tu vois, en fait, une fois que tu les touches... Ouais, vaut mieux prendre des cases de bouffe, hein, en vrai. C'est pour ça qu'il y en a un peu moins, mais c'est vrai que j'aurais dû faire genre... Tac, tac. Après, sur la gauche, là, il y avait plein de ressources, que ça a l'air vide parce que je suis passé par là. Mais très très bonne démo, hein, franchement. Moi, j'ai hâte que le jeu sorte, parce que c'est pas fou, mais un jeu où tu joues une plante... Eh ben, j'en connais pas. Du coup, j'étais très curieux, je l'ai vu, je fais « Oh, ça va falloir que je le teste, il va falloir que je stream la démo, il n'y a pas de souci. » Et bien malheureusement, c'est la fin de la VOD de cette démo, les amis, sur Grovecid. J'espère que ça vous aura plu, cette mini-découverte. C'était la chaîne de Fire. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très très fort. Je vous dis naturellement, ciao, à la prochaine. Point, 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 point.